est dans le... on est dans une camionnette. Alors en fait on se rend au barbecue et le truc c'est que je sais pas, on s'est complètement planté au niveau du bus, donc du coup on a demandé la route et le monsieur nous a dit non mais vous êtes trop loin. Rania est là. Et Haroun il est là. Oh my god. Ok, tant bien que mal on est arrivé. Donc Big Barbecue, normalement il y a une vingtaine de familles. Donc ça fait, je crois que ça fait 4 ans, hein, c'est la quatrième année qu'ils font ça. Donc les gens viennent essentiellement ici pour se balader, pour se détendre, pour faire un barbecue. Et on a le dernier stand, on est tout au bout là-bas. Attention, on y est, il y a déjà du monde. Là-bas. Coucou, voilà. Bon, c'est super cool. Sauf qu'il fait trop chaud. Okay, il fait chaud. Ce truc vient de passer. C'est vrai? Et il y a plein d'insectes. Et on dirait qu'on est dans la jungle en fait. On est dans la jungle. On est dans la jungle. Je vous assure que quand on traverse l'herbe, il y a plein de bêtes et tout. Mais bon, les enfants ils sont en train de s'éclater. On est encore en train d'attendre d'autres personnes qui vont arriver. Mais c'est, je pense que oui, on va rentrer tard ce soir. Hein. Je pense qu'on va rentrer tard. Comme d'habitude, tous les arbres sont arrivés en retard. 3h, la soirée est terminée. C'était super sympa. Et alors à côté de moi j'ai Sabrina. Voilà, Sabrina qui vient de Lyon. Qui vient tout droit de Lyon. À Villefontaine, hein, pour les connaisseurs. Et qui était à Singapour. En fait, Sabrina elle était à Singapour. Ouais, j'ai vécu 3 ans. Et quand elle est partie, je suis arrivée à Singapour. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc comme s'il te plaît Khati. Voilà. Et comme Sabrina est venue en voyage de... Je sais pas, voyage de noces, c'est un voyage de 9e année, anniversaire de mariage à Singapour. Donc du coup, elle en a profité pour qu'on se voit et j'en ai profité pour l'inviter. T'as trouvé comment le barbecue? C'était super bien, machallah, franchement. Un système qui avait pas à mon époque, d'expats maghrébins comme ça, d'arabes qui se retrouvent, enfin musulmans, pour fêter les rides, etc. Et j'aurais bien aimé qu'à mon époque ça existe. C'est sympa, hein. Et peut-être que ça existait, mais que j'étais pas au courant. Ouais, en tout cas, franchement, c'était vraiment bien, machallah. Ouais, c'était super. Ok. Voilà. Mais en tout cas, la chaleur ne m'a pas manqué. C'est vrai? Ah ouais, c'est oui, sûr. Oui, tu m'as dit, tu m'as dit, c'était violent. Violent. Ah, quand on sort de l'aéroport, ça nous fouette le visage, là. Cette chaleur humide. Ah ouais. Mais sinon, ouais. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Ouais, bah moi aussi, enfin, en vrai. En vrai, de vrai. Et attends, comment tu m'avais découvert, toi? Bah, YouTube. En fait, tu annonçais que t'allais venir à Singapour et du coup... Mais tu me suivais avant ou t'es... Oui, je te suivais déjà avant. Mais comment tu m'as découvert? Bah comment je t'ai découvert? Je crois que c'était pour une vidéo à l'époque quand je commençais à porter le voile. Tu sais, les tutos. J'avais tapé tuto hijab, je crois, mais c'était il y a très longtemps. Hein. Oh là là. Et c'est là qu'en fait je t'ai connue. Attendez, il y a un truc de dingue que je dois vous dire. C'est que Sabrina, c'est une triplée. Ah. C'est un truc de dingue. Je vous aime. C'est un truc de dingue. Franchement, moi j'ai des jumelles là. Je me dis, ta mère, la pauvre. Ouais, grave. Machallah, du taf hein. Ouais. Bah écoute, là on nous voit quasiment plus. Et en plus je me tiens avec un bras. Je tiens la caméra d'un bras. En tout cas merci encore Sabrina. Bah de rien, écoute, moi ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Et de voir tes filles, ton mari. Alors aujourd'hui avec Sabrina on va clôturer. Attends, on va clôturer. Non, on va clôturer les vlogs Ramadan Eid. Alors, d'accord, tu dis quoi, puisque ça y est, bah c'est tout, c'est la fin, c'est le dernier, c'est le dernier vlog Ramadan Eid. Oui. Et en plus, attends, tu vas rigoler, il y a une abonnée, elle m'a dit hier, j'ai lu le commentaire, parce que durant tout le Ramadan, j'ai utilisé la même musique, et elle m'a dit non, j'en peux plus, Hassan, cette musique. Elle voulait le changer. Et donc là, écoutez, c'est la dernière fois que vous avez entendu cette musique. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et toi, bah écoute, profite bien de oui, ton séjour. Oui, merci, parce que là, au fixe, c'est gentil. Elle est en train de m'étrangler, ma fille. Ouais, Mariam. Et bon retour jeudi en likez France. Likez et abonnez-vous. Ouais, super. C'est ça qu'il veut dire, non? Non. Allez, bisous. Salam alaikum. Ta-da-da. On va faire un unboxing spécial Sabrina. Regardez ce qu'elle a ramené pour Haroun. Un petit doudou. Un prince. Je suis un prince. Il y a un petit jeu comme ça, vous voyez, avec les petits miroirs. Et ce jeu-là. Pour les filles, elle a ramené plein de trucs, mais elles ont fait n'importe quoi. Elles ont déjà déballé, elles ont perdu la moitié des feutres. Et regardez, ça c'est trop beau. Hein. Mais tu vois, c'est chinois, j'allais dire. C'est africain, tu vois, tu mets ça au niveau des cheveux. Et alors, elle nous a acheté chez Ritual. En plus, j'aime bien. Ça te dit rien, Ritual? Mais si, mes cousines des Pays-Bas, tout le temps, elles avaient ces produits-là à la maison. Donc, elle nous a acheté ça. On va voir c'est quoi. Donc, ça c'est pour femmes. Tu me montres? C'est pour... Tu peux voir? C'est The Ritual aller. Of. Samouraï, d'accord, baume à raser, ok, un petit transpirant, ouais,
Eh ben merci. C'est gentil, franchement, qu'elle ait pensé à toi. Ouais, hein, franchement, super cool. Merci Sabrina, franchement, c'est une délicate attention. Tu peux m'aider à mettre, s'il te plaît. Alors, pour moi, attention, et moi, il y a deux paquets. Bah oui, hein, quand même. Elle a mis un shower gel. C'est pour le visage ou pour le corps? Non, c'est pour le corps. Pour le corps. Ensuite, moi, je vais ouvrir ce paquet-là. C'est la même chose, version femme. Ah, ok. Un anti-transpirant. D'accord, un anti-transpirant, super. C'est qu'on vit à Singapour. Ouais, je crois, c'est pour ça. C'est parce qu'elle sait qu'on vit à Singapour et qu'on a besoin de ça. Ta-da-da-da. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. Waouh. Ah, voilà, donc ça, c'est ça. Alors, pour nous deux. Ouh, cool. Pour nous faire du thé en amoureux. Attends, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, super, franchement c'est sympa. Donc une pour moi, une pour toi. Ouais. Franchement, c'est super gentil. Merci beaucoup. Et bah, écoutez, sur ce joli cadeau, je vais vous laisser. Et merci encore les filles, merci Sabrina surtout. Et merci, bah, écoutez, merci. J'ai vraiment des abonnés en or. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye.